retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un unboxing puisque, comme vous pouvez constater, j'ai reçu beaucoup de petits colis ces derniers temps et je les ai laissés un peu de côté parce que j'avais pas forcément le temps de les ouvrir ou de vous les présenter, etc. Je me suis dit que j'allais vous faire une énorme vidéo comme ça avec unboxing, découverte, beaucoup de nouveautés. Il y a juste un colis qui me manque de la marque Party Light de Aurore avec qui je suis en partenariat, qui m'a envoyé un colis, mais avec les grèves etc, le colis a un peu disparu ou met du temps, donc je sais pas si je l'aurai d'ici là, mais ça je vous le présenterai dans une autre vidéo, c'est pas un problème. On va commencer par ce petit colis là qui est un colis de mon abonné, ma copine de Marseille, Lily. Du coup je vous en parle beaucoup, elle me gâte régulièrement et c'est juste un amour, et là elle m'a envoyé un colis comme ceci, et je vois qu'il y a une petite surprise qui n'était pas prévue, parce qu'elle m'a dit oui, je voulais t'envoyer des produits Sian. Elle a passé commande sur le site Lidl Beauté, je crois, et elle a commandé des petits produits de leur nouvelle gamme, donc elle voulait me faire découvrir avec elle, donc c'est trop adorable, merci. Mais je vois qu'elle a rajouté des choses, donc là elle m'a mis un petit Virginie Grimaldi, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, et ben je suis trop méga contente, puisque comment vous dire, elle m'avait déjà offert un de ses livres que j'ai hâte de lire et j'avais envie de découvrir les autres. C'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir très vite, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Donc de la marque Sian ou Sian, je ne sais pas comment ça se dit, de chez Lidl. C'est vrai que c'est des produits qui sont hyper bien réputés. Il y a la crème pour le jour et la crème pour la nuit à la au baie de goji et à pomme granate, je sais plus ce que c'est vegan en plus, tiens, ça a l'air super. Déjà les packaging ils donnent vraiment envie, après à l'intérieur ce sont des flacons crème comme ça, donc pas trop mal, ça va. Et ben, j'ai hâte de tester, de me faire une nouvelle routine. Là j'ai entamé une nouvelle routine Florence Nature, mais je testerai juste après je pense, donc je vais les laisser pas trop loin pour pouvoir les tester juste après. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour les nouveaux produits, les nouveautés comme ça de chez Sian ou Sienne, de chez Lidl. Bah, je vois qu'elle s'est pas arrêtée là du tout en fait. Et d'ailleurs ça me fait vraiment penser aux produits Lavera. Je sais pas si vous connaissez les produits Lavera, mais c'est dans le même style au niveau des packaging et tout. Donc là il y a le produit pour les yeux, trop bien, de la gamme Sensitive. Et ça a l'air d'être aux fleurs en tout cas, et à l'amande. Et un nettoyant Cleanse Purify Remove Makeup, une sorte de mousse nettoyante, on dirait une mousse, ouais c'est ça. Mais c'est trop bien, ça, c'est trop bien. Je ne connais absolument pas. En plus, les packaging donnent vraiment envie. Là, pour Sian, vraiment, un bel effort. Elle m'a mis une petite lettre, oui, je la vois après, hein, toujours un boulet. Voici les petits produits Lidl à tester, j'espère qu'ils te plairont. Bah, j'espère que toi aussi, ça te plaira. On va faire comme ça le test à peu près dans les mêmes périodes. J'ai tout pris en double pour moi. Bon bah c'est cool, et encore rien essayé. Maintenant je vais me concentrer sur notre swap, même si j'ai déjà commencé. Oui, on doit faire un swap pour, je crois on avait dit février-mars, mais elle a déjà commencé, c'est juste une... Et en plus elle m'envoie ça avant, elle aurait pu le garder pour dans le swap. Lily, tu es incorrigible. J'ai déjà commencé, donc j'espère que tu es moins fatiguée, que les nuits sont meilleures. Je te fais des gros bisous, merci Aurélie, vraiment t'es adorable. Et alors il y a un petit tote bag du coup, de, je pense de la marque Sian, non? Non, un petit tote bag rouge comme ça, trop cool, pour mettre les petits produits, donc bah, ça va être ma prochaine routine. Merci en tout cas Lily, c'est vraiment adorable. On passe à un autre petit colis, comme ceci, tout carré, et c'est la marque Merci Andy. Vous savez que la marque Merci Andy m'envoie toujours des colis trop mimi aussi, et en ce moment là, pour les fêtes, ils ont trois coffrets pour les fêtes, donc la petite boule de Noël. Donc celle-ci, la petite boule que je vous ai déjà présentée, ils ont cette petite boîte carrée que je vais vous montrer là. Et ils ont aussi le coffret carousel de chez avec les princesses dedans, Disney. J'avoue que le carousel me fait bien envie. Du coup, bah, je pense que je vais l'acheter pendant la soirée gold. En tout cas, là, il est trop beau ce coffret. Il est comme ça, tout pailleté. Vraiment pour une idée cadeau, je trouve que c'est vraiment bien calculé comme ça en carré et tout, top pratique. Ah bah tiens, j'avais pas fait gaffe dedans, trop bien. Bon, c'est la gamme que je préfère, c'est une des gammes que j'aime bien, c'est la Namasté à l'intérieur. Vous avez trois produits, un gel pour les mains Namasté, la crème pour les mains Namasté, et vous avez même le petit déo Namasté. Alors au passage, pour le déo, je voulais vous en parler dans une prochaine vidéo favori, mais je vous fais un petit spoil là. Je le teste, moi, celui à la comment il s'appelle l'odeur. C'est marrant comment ça s'ouvre. L'odeur de l'été là, eh bien je le teste et moi je l'aime bien. Alors effectivement, si on transpire énormément, c'est peut-être pas pour vous. Mais moi, je transpire quand même pas mal et il est plutôt efficace sur moi. Donc je l'aime bien pour l'instant, donc j'en suis ravie. Et bah du coup j'ai un nouveau en format un peu plus voyage, donc ça peut être pratique, parce que c'est vrai que l'autre format est énorme, il est gros et tout, et pour l'emmener c'est pas hyper pratique, mais ça va être très pratique. Donc ça se présente comme ça, c'est une sorte de petite papillote à ouvrir, et vous avez les trois produits à l'intérieur, donc ça c'est méga bien. Moi je suis
Je suis conquise, donc là, trop cool. J'ai reçu de la part de Merci Andy et j'en suis méga ravie. Je trouve vraiment que leur packaging de Noël, là, sont divins. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je les trouve vraiment très bien fait. Colis suivant, c'est une commande Party Light. Oui, j'ai commandé des bougies, donc comme je vous ai dit que j'attends. Aurore les avait reçues chez elle et m'avait préparé un petit colis, je crois, si je me trompe pas. Mais quand elle a renvoyé, bah, pour l'instant, la poste ne sait pas où il est, le colis. Et moi, je lui avais commandé en plus un truc qui était soldé, puisqu'il y avait quelques petites soldes pour le Black Friday. C'était un pied pour mettre les bougies Party Light. Donc, bah, je l'ai reçu, lui, séparément, c'est directement Party Light qui me l'a envoyé. Je l'ai payé 7,20€ au lieu de je ne sais plus combien. C'était vraiment bien soldé. Ah, mais il est trop beau. Je pensais qu'il était noir, mais en fait, pas du tout. Il est un petit peu marronné, il scintille légèrement. Voilà, c'est un pied assez simple, hein. Bon, pour 7€, moi je trouve que ça va, c'est tout à fait raisonnable. Je vous montre avec une bougie que j'ai terminée de Party Light, vous voyez. Voilà, ça évite en fait que les bougies soient posées sur la table directement. Vous savez que certaines bougies des fois abîment, alors pas celles-ci, elles ont pas de problème. Mais certaines bougies, quand elles arrivent au fond, elles peuvent abîmer votre meuble. Du coup, j'aime bien avoir des choses comme ça. Et je trouvais que c'était très sympa, voilà, pour mettre mes petites bougies Party Light. Donc, je vous invite à contacter Aurore si vous voulez craquer pour des choses de chez Party Light. Moi, je les adore, pour l'instant, je suis conquise. On continue avec un colis de la part de Pierre Rico. Je vous mets à chaque fois les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais Pierre Rico m'a contacté pour me faire tester 3 petits produits. Et j'ai accepté avec grand plaisir parce que je vous avoue qu'il y a des produits qui me plaisaient énormément, qui me donnaient envie. Ils ont des coffrets pour les fêtes et tout, très sympa. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette marque. Et du coup moi j'ai choisi, alors le sérum de teint effet rajeunissant, et j'ai pris la teinte je crois la plus claire, je ne sais plus c'est laquelle, mais beige clair, parce que moi je l'avais déjà eu, mais une teinte un peu plus foncée, je pense que ça va être beige doré, et ça n'allait pas à ma carnation, du coup bah j'avais jamais pu trop l'utiliser, c'était vraiment trop foncé, donc là espérons que le beige clair soit bon pour moi. Alors c'est un fond de teint qui a très bonne réputation. Oh oui, la teinte elle m'a l'air parfaite là. C'est un fond de teint qui a très bonne réputation. Du coup moi le plus foncé j'avais donné à ma mère qui est un petit peu plus foncé légèrement de peau. Et il a très bonne réputation pour les gens qui ont des ridules ou quelques rides. Il a vraiment un effet rajeunissant, il tient bien sur la journée d'après ce que j'ai compris. Donc ça je vous le crash testerai je pense dans une prochaine vidéo où vous le testerez en tout cas en make-up. Je vais voir ça très vite parce que j'ai hâte de le tester. Et avec ça j'ai eu un espèce d'anticerne un peu défatigant, un peu 3 en 1 qui défatigue, qui lisse et qui en même temps anti-cerne. Je me suis dit voilà, le combo parfait pour aller avec le fond de teint, ça sera top. Il a une espèce d'embout je crois un petit peu métallisé si je me trompe pas dans mes souvenirs. Et voilà, donc ça se présente comme ça, un petit tube, et effectivement c'est bien ce que je vous disais, il a un petit embout un peu voilà, qui fait effet décongestionnant et en même temps anti-cerne. Ça j'ai trop méga hâte de tester parce que si ça marche bien ça peut être très prometteur. Je pense pas que c'est une couvrance de dingue, mais voilà, pour illuminer un peu la cerne, enfin illuminer, cacher un peu la cerne et en même temps illuminer le contour de l'œil, ça peut être très bien. Et ensuite pour finir, j'ai vraiment pris des produits qui me faisaient très envie sur le site. C'est une crème pour le cou et la poitrine, en fait cou et décolleté, voilà, cherchez le mot, parce que avec la grossesse c'est vrai que mon corps a pris un petit peu cher quand même, faut le dire. Et j'avais envie, j'aime beaucoup les crèmes en fait qui sont pour le décolleté, je trouve que ça raffermit vachement bien au niveau de la poitrine. Moi j'ai pas trop eu de problème au niveau de ma poitrine, elle a plutôt bien supporté les grossesses, mais je me dis que ça fera pas de mal de faire un petit traitement entre guillemets à ce niveau là donc c'est un petit pot de crème comme ça, tout petit, il est tout léger, donc ça doit vraiment être une crème gel fluide. Oh, elle est sublime. Toute rose comme ça. Ça sent méga bon. Oh là, j'ai hâte de tester ça, je vais le mettre dès ce soir. Merci en tout cas à la marque Pierre Rico parce que j'ai trop hâte de tester du coup ces petites nouveautés. Là vous allez comprendre que j'ai plein de nouveautés à tester pour les jours à venir, ça va être trop bien. J'ai reçu un colis de l'agence de presse Melting.com avec des produits de la marque Olysée, qui est une nouvelle marque comme ça qui arrive sur le devant de la scène, qui sont des produits un peu brume visage, brume de beauté, brume d'eau pure, brume à la rose, qui font un petit peu effet 2 en 1. Il y a l'air d'avoir des produits super sympas. Donc on va découvrir ensemble un petit peu les nouveautés. Donc par exemple la brume apaisante, elle a des vertus rafraîchissantes et hydratantes. La brume à l'eau florale de rose et à l'aloe vera, elle hydrate, elle parfume, elle est pour tout type de peau. Elle permet de fixer le maquillage et l'association avec l'eau florale permet vraiment un effet très hydratant. Donc il y a pas mal de petites choses, hein. C'est une marque, ah oui aussi il y a des gels douche en mousse un peu à la Rituals. Du coup je suis trop méga contente de tester ça parce que ça a l'air très prometteur. C'est archi bien protégé disons le colis.
Bon alors j'ai 5 produits à tester, je suis trop contente. Donc le gel douche extra moussant au lycée qui est le 01, la rencontre, j'ai hâte. Ça j'ai glissé dans la salle de bain assez vite hein. Ensuite on a le spray corps hydratant express. Mais comment c'est pratique ça les spray corps, que ce soit pour moi mais surtout pour mes enfants, à l'huile d'argan et à l'aloe vera pour les peaux normales à sèche. Je vais regarder un peu la compo, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas j'ai trop hâte de tester sur moi, mon mari, mes enfants, parce qu'on a tous un peu la peau sèche, surtout mes enfants qui ont la peau métissée. Donc ça peut être très pratique, tchit, hop, on met sur la peau, on hydrate et c'est fait. Ensuite, donc la fameuse brume de beauté qui va fixer un peu le teint, hydrater la peau, à l'eau de rose, alors j'espère que ça sent pas trop la rose, hein, on verra ça, et à l'aloe vera. Donc je ne teste pas là maintenant avec vous parce que bah, ça va prendre trop de temps sinon, et je testerai ça avec vous plus tard, ou en tout cas je vous en redirai des nouvelles prochainement. On a aussi la brume d'eau spray, donc ça c'est trop bien, qui hydrate, tonifie et rafraîchit, vous savez un peu les brumes tonifiantes comme ça pour le visage qui vont rafraîchir à base d'eau. Ça c'est un indispensable à avoir à la maison, j'en ai déjà deux à la maison, donc je testerai celle de cette marque là, c'est trop cool. Et pour finir on a un produit qui me paraît très bien, une eau micellaire 3 en 1 qui va nettoyer, hydrater et tonifier. Ça c'est cool qu'elle tonifie en même temps, c'est un énorme pot comme ça de 500 ml. Ça je vais tester très prochainement parce que j'aime beaucoup les tonifiants un peu pour le matin. J'utilise plus d'eau micellaire pour démaquiller mon visage, mais le matin en espèce de tonifiant un peu pour enlever les dernières traces de make-up et tout, j'adore utiliser ça, j'en ai une qui est quasi terminée, donc je pense que celle-ci ça va être la suivante. Bon, on est quand même que midi, hein, mais la luminosité est pas top, pardonnez-moi hein, pour cela. En tout cas, merci à Emmanuel, et j'ai vu qu'Emmanuel m'avait envoyé un deuxième colis, donc on va rester avec la même agence de presse. Donc Emmanuel m'a envoyé un deuxième colis, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, parce que bah, j'en attendais pas d'autres en fait. Donc là, ça va être la vraie surprise. Waouh. Emmanuel, en fait, elle est aussi, elle travaille aussi pour la marque Kissing Press, donc je reçois beaucoup de faux ongles. D'ailleurs, c'est ceux que j'ai sur les mains. Hein. Ça fait déjà une semaine et demie que je les ai, quasi deux semaines. Hein. Ils tiennent vraiment énormément bien sur mes ongles. Et là, je vois qu'elle m'a fait un colis Kiss. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Je suis impressionnée là. Je sais pas du tout. Oh là 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 là. Mais Emmanuel, tu es juste dingue. Oh là là. Trop beau, alors c'est un colis de cadeau de Noël, c'est juste trop beau, il y a trop de belles nouveautés, je suis trop contente. Voilà, vous voyez mon excitation, j'ai hâte, oh non mais ceux-là ils sont magnifiques, regardez-moi ces petits Impress là, oh, bleu nuit comme ça avec ces espèces d'holographiques là sur le bas, c'est les couleurs Beautiful Life, oh là là, ceux-là ils sont trop beaux, effet mat, c'est les Bougie Dawn, effet mat, et regardez l'accent nail là, un petit peu... avec le petit diamant et tout. Ils sont trop beaux. Oh là là. Oh là 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 là. Mais ils sont tous magnifiques. Ça, si c'est les nouvelles collections qui arrivent, je vous dis pas quoi. Je vous rappelle que les Kiss Impress sont trouvables chez Carrefour, dans certains Carrefour, la boutique du coiffeur, Pop My Nails aussi. J'essaierai de vous mettre quelques liens en barre d'infos si j'ai le temps de faire tout ça. Donc là, le plus foncé, un peu mat, c'est le Yeah Boy. Et le deuxième, c'est le Night Fever, là, qui est dans les couleurs un peu nude, rosé. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Oh, moi qui veux me mettre au fond aux cils, bah c'est trop bien, maintenant que j'ai envie de me mettre au fond aux cils, vous verrez dans ma commande Beauty Bay qui est juste là que j'ai acheté une colle à faux cils, paraît-il très bien. Donc là il y a les Chic Kiss de True Volume qui ont l'air très sympa, les Shy, ah bah là, je suis refaite en faux cils en plus, oh, trop bien, il y a les faux cils magnétiques aussi, bon, vous avez gros, je suis dingue. Il y a ceux-là aussi, c'est la gamme quoi, Daisy. Ils sont trop beaux. J'essaierai de, si je peux, de vous faire des concours prochainement. Mais là, c'est un colis de dingue. Et là, il y a les fossiles magnétiques, donc les top et bottom. Ça, j'ai jamais testé. Donc, j'ai hâte de tester parce que je sais que certaines, c'est un fail. Mais moi, j'ai jamais testé, donc c'est l'occasion. En plus de ça, on a eu un petit cadeau. Une sorte de petit... Oh, trop bien. Un petit mug pour boire le café. Il y a écrit « Ouvre-moi ». Une surprise dedans. Oh là 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 là. On a du thé de la marque Daman à l'intérieur et des petits gâteaux, c'est trop bien. Les fameux gâteaux Chantilly, la marque, enfin il y a écrit Merry Kissmas, oh c'est trop adorable. Et Kiss Nails, Kiss Lashes, oh c'est trop bien, mais c'est trop bien, c'est trop une super idée. Avec le petit mug, et là je sais pas si vous avez vu, il y a des petits mots là en lien avec la Coffee Nails Lashes. Et donc on a, ah bah, moi qui ai acheté une colle, là il y en a une autre aussi, bah je pourrais comparer comme ça. Là vous allez me voir avec des fossiles maintenant les gars, vous allez me voir avec des fossiles. Donc c'est la colle adhésive pour bande de fossiles. Donc bah écoutez, à l'aloe vera, tiens. Et qui est transparente, ça c'est bon à savoir.
Et pour finir, non mais le colis de dingue, on a trois autres paquets de fausses ongles. Ouf, je m'en mets partout. Ceux-là. Je crois que ceux-là, vous pouvez mettre soit avec de la colle à faux ongles, soit avec les autocollants. C'est un peu deux en un. Vous pouvez choisir ce que vous préférez. Des nudes comme ça qui sont très beaux. C'est... Alors là, il n'y a pas de nom de référence. Je sais pas trop. Ensuite, on a des... Oh là là, ils sont beaux ceux-là, c'est des espèces, je sais pas si vous verrez, c'est des bordeaux comme ça, très foncés. Et là, un petit peu marronné, vous savez, un peu style pain d'épices et doré. Ils sont trop beaux. Ceux-là, je les ai jamais testés dans ces packagings-là. Je vous avoue qu'à chaque fois, je suis tellement conquise par ceux-là, là, dans les packagings comme ça, que je remets à chaque fois ceux-là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'il y a des challenges qui arrivent avec les faux ongles et des fossiles, mais là... C'est le colis merveilleux. Même si tous les colis ils sont top, j'ai été gâtée déjà. Mais alors là, c'est the colis de dingue. J'ai reçu une petite enveloppe comme ça de la part de L'Oréal, si je ne me trompe pas, pour tester leur nouveau mascara et liner. Donc ils sont trop mignons. Ils nous ont envoyé un petit bonnet comme ça avec écrit Bambi, puisque ce mascara Bambi Eyes qui donne un peu des cils comme Bambi quoi. Il a l'air trop bien. Donc ça, j'ai hâte de le tester et de voir un peu ce que ça donne. Je pense que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Voyons voir un peu la brosse. Ah, c'est en silicone, mais des picots tout petits. Je sais pas si vous verrez bien. Tout petit, mais c'est une brosse. Oh, elle est souple en tout cas. Bah écoutez, on va tester ça. Et le liner, c'est le Matte Sigma... Signa, je sais pas. Ah non, Matte Signature, pardon, eyeliner de chez L'Oréal. Le packaging est très sympa. En revanche, moi, je suis pas ultra méga fan des liners en pinceau. Si c'est un pinceau hyper... ouais... ça, encore peut-être que ça peut aller, vous voyez c'est un pinceau comme ça, mais il a l'air un peu sol, ça va, je pense que je vais pouvoir réussir à faire un liner sympa. En tout cas, le fait que ce soit un liner mat, ça change de mes liners. Là j'ai testé le liner essence que ma petite Ella m'a offert dans notre calendrier de l'Avent. J'essaierai de vous remettre une vidéo ici, mais il file en fait dans les, il file, vous savez, il fait cet effet un peu araignée comme ça, donc j'aime pas trop pour l'instant. Pour la première utilisation on verra, mais je suis pas conquise. Merci à la marque L'Oréal pour ce petit colis et le petit chapeau, c'est toujours sympa, je trouve que c'est mignon. Je sais pas si je m'en servirai, mais ça servira peut-être à mes enfants. De la part de la marque Jade Roller, je ne sais pas si vous connaissez cette marque là, mais j'ai reçu du coup un petit colis de leur part et je suis trop contente. Il est là comme ça, il se présente comme ça, et c'est, vous savez, les fameux rollers pour soit faire pénétrer votre crème, votre soin, soit vos masques. Et il y a aussi l'espèce de petite spatule qui paraît est très bien. Donc j'avais trop hâte de tester leur marque parce que j'en ai énormément entendu parler. Donc là c'est le rouleau en quartz rose, j'en ai tellement entendu parler, mais je suis trop contente quoi. Ça se présente comme ça, déjà hyper bien présenté, et ça vous explique une petite feuille comme ça d'explication, et le voici. Le petit ustensile, vous en avez entendu énormément parler, je pense. C'est fait à base de pierre de jade. Il paraît que c'est... Alors ça, faut pas le faire tomber, je pense, par terre dans la salle de bain, sinon vous êtes dans le... Mais il paraît que voilà... Oh, il paraît que voilà, la pierre de jade a des effets comme ça sur la peau qui permet de faire bien pénétrer sa crème ou son masque. Et vous permet... En plus, c'est un petit peu frais, donc ça, je pense que ça doit raffermir un peu la peau. Et ça permet de tout faire bien pénétrer. Ça vous explique sur la petite carte comment l'utiliser. Donc voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, si je ne me trompe pas. Ça a l'air super. En tout cas, j'adore sur ma peau, c'est hyper doux. Vous avez donc deux côtés, je pense, pour des plus petits endroits et tout. Ça a l'air super sympa. C'est ultra frais, donc je suis trop contente. Pourtant, c'était dans ma maison, hein, c'était rangé ici. Donc ça vient pas de la boîte aux lettres. Donc je pense que c'est la pierre qui garde comme ça ce côté frais. Ça, je vais tester avec mes soins de ce soir et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo très vite pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et du coup, avec ça, c'est ça aussi qui m'intéressait énormément. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne du blog de Neroli, qui disait qu'elle avait cette petite... spatule, je sais pas trop comment elle s'appelle, et qu'elle avait trouvé ça top. Donc c'est pareil pour mettre vos soins comme ça, et qu'elle préférait ça que la petite roulette, elle. Et du coup, bah là, je suis trop contente d'avoir les deux pour tester les deux. Je pense que c'est très, encore une fois, c'est très frais. Et elle disait que c'était vraiment très pratique, très utile. Elle adorait l'utiliser. Donc bah toujours en pierre de jade comme ça, très jolie. Je suis trop contente. Ça, et encore une fois la petite carte, hein. Vous retrouvez sur sur le site jadroller.fr. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé. Mais je vous fais un retour très prochainement. Merci à la marque de m'avoir envoyé ce petit duo là que je vais tester avec grand plaisir dans ma routine de ce soir. Vous l'avez compris, on a été, j'ai été quand même pourri gâtée, j'ai plein de choses à tester, hein. Dans la Beautiful Box de ce mois-ci, c'est une jolie box de décembre. Je ne l'ai pas du tout regardée, je ne me suis pas spoilée. Oh,
Je vois qu'il y a une palette de maquillage, ça c'est trop cool. Vous avez vu dans ma vidéo avec Ella, je vous la remettrai ici, qu'elle a testé un enlumineur que j'avais reçu dans la Beautiful Box et elle avait été conquise de la marque MAC, je crois. Donc c'est trop cool, ça veut dire qu'il y a des produits finalement bio et tout qui peut être très très sympa. Le make-up spécial bio arrive très très prochainement, ne vous inquiétez pas, hein, ça va venir très très bientôt. La palette c'est la marque Colorizy, la Sparkle Winter, donc très beau packaging comme ça. Un peu bleuté, donc parfait pour l'hiver. Et c'est des petites teintes comme ça, très sympa. Bah écoutez, je suis conquise parce que il y a 6 fards à paupières qui sont vegan, cruelty free, 100% d'ingrédients naturels. Donc c'est très bien. C'est des couleurs quand même très sympas. Vous avez un émeraude, un espèce de bleu foncé, un petit gris, un rosé un peu doré ici, un espèce de petit marron comme ça, et le dernier qui est un peu pêche, donc il y a quand même pas mal de petites couleurs. Elles sont toutes un peu irisées, sauf la pêche qui a l'air presque mate. Donc vous n'allez pas faire des make-up de dingue, mais ça peut être très sympa d'utiliser ça dans sa petite routine du matin, ça peut être très cool. Et avec, ils ont pensé aux petits pinceaux. D'ailleurs, j'en ai un pinceau. Ah, celui-là, faut que je remette un petit coup de colle, tiens, dis donc. J'en ai un pinceau de Beautiful Box, et au niveau des poils, il est très sympa. Donc là, c'est un pinceau comme ça, tout droit pour appliquer, je pense, son fard à paupières sur toute la paupière mobile. Donc ça peut être très sympa. Bon, il faut que je le recolle. Ensuite, on a un contour des yeux. Donc ça, j'en ai plein à tester. Donc celui-là, je vais pas le tester tout de suite. De la marque Allure Chlorocosmétique. Je ne connais absolument pas. Un soin de la marque Vinésime Signature, un hydratant exquis aux extraits de vignoble champenois. Ça, j'ai déjà un produit dans ce style-là. Dans mes stocks, donc ça je vais le mettre dans mes stocks. C'est un packaging qui est pas trop gros, donc ça c'est cool, c'est un 50 ml, donc pour tester une petite crème du soir comme ça, ça peut être très sympa. On a deux autres produits, qu'est-ce que c'est donc? Une brume scintillante parfumée corps et cheveux au Monoeil de la marque Compagnie des Indes, qui est une super compagnie, enfin j'aime beaucoup leurs produits. Là au Monoeil, ça sent super bon, ça sent l'été. Alors bon, pour faire scintiller son corps pour les fêtes, ça peut être pas mal, mais ça sent vraiment bon l'été. Et pour finir, on a un sérum nourrissant sublime corps et cheveux de la marque Botanicae, qui a l'air très bien, lisse, en beau, embelli et parfume. Un petit sérum comme ça. Donc ça, je sais pas si je l'utiliserai pour mon visage ou plutôt pour mes cheveux, comme c'est... Bah non, de toute façon c'est pas visage, d'accord, c'est corps et cheveux, donc bah j'utiliserai sur le corps et le cheveu. Ça j'aime bien les petits soins comme ça. On dirait que c'est un peu scintillant d'ailleurs. Ah ouais, il y a des paillettes dedans. C'est pour ça qu'elle fait embellir, je pense, illumine. Il y a des petites paillettes dedans. Ça peut être très sympa. Bah écoutez, je trouve que c'est une jolie box pour les fêtes. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais il y a une palette pour se maquiller. Ok, il n'y a pas de fameux rouge à lèvres rouge, mais moi je vous avoue que j'en ai ras la casquette des rouges à lèvres rouges dans les box pour le mois de décembre. Hein, j'aime pas déjà trop le rouge. Et en plus, il y en a tout le temps. Tous les ans, il y a des rouges à lèvres rouges. Donc là, c'est cool que ça change. On va finir avec mon colis, ma commande du Black Friday Beauty Bay. Honnêtement, j'ai été saoulée par le Black Friday. Ils ont fait des super offres, hein, et c'est pas ça que je critique, mais alors qu'est-ce qu'on a été harcelé par SMS, par mail, sur les offres, et les youtubeuses qui en parlaient en plus sur leur Instagram et tout ça, ça m'a saoulé en plus du... Vous voyez, c'était un peu trop. Moi, je vous en ai absolument pas parlé parce que déjà, ça me saoulait, donc j'allais pas vous en parler. Du coup, ça m'a un petit peu cassé les pieds, mais c'est surtout les SMS, quoi. Je sais pas si vous, ça vous a fait ça, mais les marques nous ont envoyé des SMS. Alors que ça arrive assez rarement, donc ça m'a bien pris la tête, je trouve. Mais j'ai quand même passé commande sur Beauty Bay parce qu'il y avait pas mal de choses que j'aimais et que je voulais qui étaient en solde, en promo en tout cas. Je crois que j'ai acheté avec des moins 40%, donc c'était pas mal. J'ai pris ce set là de pinceaux de BH Cosmetics, c'est une marque que j'aime beaucoup en pinceaux et en palettes de maquillage aussi. D'ailleurs, il y avait pas mal de palettes qui étaient soldées, mais j'ai résisté, hein, j'ai tenu le coup. Donc j'ai pris le set de pinceaux comme ça avec 12 pinceaux qui sont rose gold, qui sont trop beaux. Pas du tout rose gold, hein, je vous dis des bêtises, mais qui sont roses. Et en plus de ça, il y a la petite boîte avec pour les poser, qui est très mignonne, la petite boîte, regardez. Elle est trop belle. Je l'ai payé, je crois, le kit, même pas 11€, 12€. Donc pas cher, avec une boîte et 12 pinceaux. Donc voilà tous les pinceaux. Il y en a plein. Et il y en a pas mal pour les yeux. Donc, oh, ils sont quand même gros. Je pensais qu'ils étaient plus petits. Mais il y a pas mal pour les yeux. Ça, je vous en reparlerai dans une vidéo. Oh ouais, ils ont l'air trop trop bien. Oh là là. Faut que j'ai là, mais ils ont l'air super bien au niveau de... Il y a quelques poils qui partent vite fait, mais c'est ultra doux. C'est ultra doux. Donc c'est une marque, pour info, cruelty free, hein, qui ne teste pas sur les animaux, je crois. Et je pense que ça doit être vegan aussi au passage. Je pense, je me trompe pas. Bon, voilà, c'est quand même trop beau. Même pas 12€ ça, ça va aller le coup. Et j'ai pris trois petits derniers produits. Une palette de la marque Sauce...
Sosu et Keylide. Je ne connais pas, mais je sais que Marion Caméléon l'avait conseillé dans sa vidéo. Et du coup, c'est vrai que je l'avais repéré un petit peu avant, parce qu'il y avait des jolies couleurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. En revanche, elle arrive pas en très bon état. Hein. Elle est un petit peu abîmée. Il y avait déjà un coup d'ongle dedans, alors que ce n'est pas du tout moi. Hein. Ça, je suis un peu moins fan. Mais bon, les couleurs étaient très sympas. Vous avez quand même des nudes, un joli noir, des couleurs claires aussi pour faire péter un peu le make-up. Un joli nude, un joli moutarde comme ça ici, qui paraît jaune, mais c'est un moutarde. Ici, vous avez une couleur qui a l'air sublime, là. Il y avait quand même des jolies couleurs. Le vert, là, bleu, turquoise, un peu, il a l'air trop, trop beau. Donc, ça me faisait envie. Je pense que ça, les produits de chez Beauty Bay, vous allez les revoir dans une prochaine vidéo. Un peu crash test avec tout ce que j'ai reçu. Je vais pouvoir faire un beau crash test. J'ai pris un crayon pour les yeux, vous savez, un crayon couleur chair pour mettre dans la muqueuse beige, ils appellent ça beige, de chez BH Cosmetics, qui coûtait pas très cher parce que j'en voulais un nouveau et le mien il, de chez Makeup Revolution, il est pas terrible, donc je voulais en tester un. Donc, bah, ça se présente voilà, comme un crayon pour les yeux, hein, tout simplement. Et comme je vous ai dit, j'ai commandé une colle à fossiles de la marque House of Lashes, donc c'est une marque de fossiles, il paraît qu'elle est très très bien d'ailleurs comme marque. Mais je n'en ai pas de cette marque là. Et il paraît que cette colle est sympa, pratique et tout. Donc ça se présente comme ça avec un petit... Mais bon, je savais pas que j'allais recevoir celle de Kiss entre temps. Sinon j'aurais pas acheté. Mais voilà, elle est comme ça avec un pinceau. Bon, je la testerai quand même. Et voilà, c'est un petit pinceau tout fin. Elle a l'air pas trop trop mal. Il paraît qu'elle est bien à emporter partout si on veut remettre ses fossiles au cas où. Donc bah je testerai, hein. Maintenant je n'ai plus qu'à mettre des fossiles. Le dernier colis que j'avais c'était la Sweetie Box, mais je vous la montrerai sur Instagram, hein. Je vous invite à aller voir dans les unboxings Instagram de la Sweetie Box, parce que, ou sur mon feed Instagram, des fois je mets des petites photos. Et parce que là il n'y a vraiment pas trop de temps et cette vidéo a été beaucoup trop longue. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que je reçois énormément de choses gratuitement, il y en a aussi des choses que j'achète. Là vous avez vu, il y a un peu d'achat et beaucoup de nouveautés à tester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous donne envie de craquer par exemple pour la Beautiful Box, c'est vraiment sympa ce mois-ci. S'il y a des nouveautés que vous avez déjà testées, comme le mascara Bambi de chez L'Oréal, si vous avez testé les fameux Roll-On Jade Roller, si ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude dans ces Vlogmas et on se retrouve demain. Je vous fais des gros gros bisous, salut salut.